Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Luigi's Mansion. Pour l'épisode 2, au cas où si j'ai une voix bizarre, c'est parce que j'ai dû refaire rapidement la zone où il y a eu les fantômes, ici. Et entre temps, je me suis étouffé avec rien du tout. Bizarre, regardez la tête de Luigi, c'était ma tête. Donc, bon, j'ai une voix un peu bizarre depuis. Allez hop, on enlève ça. Ouf. Donc, j'ai fouillé ici sans trop vouloir, mais il y avait un peu d'argent. Voilà, l'argent, c'est trop bien. Ah, par contre, ça. Ah, je préfère. Et les gens, le but, c'est qu'on. Il faudra qu'on essaie de résoudre. Déjà, on va ouvrir cette porte. Le but c'est d'avoir, c'est pas tout à fait le but, mais essayer d'avoir le maximum d'argent, parce qu'à la fin il va se passer quelque chose. Donc cet argent, je vais pas vous en dire plus. Allez hop. Non c'est bon. Oh sérieux. Ok. C'est plus facile déjà que sur Minecraft. What? C'est quoi ce fantôme violet là? Il bouge. Ah, il bouge. Enfin, je comprends pas, c'est peut-être parce que je bouille pas assez vite. Je bouge un peu. Ok. Oh, il est quoi ce celui-là? Ah, t'es là, toi. Il est fouillé. D'accord, ouais. N'est pas si besoin que ça. Ok, hop. Ok, bon, je parle pas beaucoup parce que je suis concentré. D'accord. Jambe d'arbre. Ah. Attendez, ok. S'il en a déjà autant au début du jeu, ça me fait peur. C'est bon? Ah bah enfin. Et j'ai eu peur, elle en a eu plein. Oh, en plus, on était au début du jeu. Oh, 10 pièces. Diamonnaie. Ok, non, je veux juste voir ce qu'il y a dedans. Dilango, j'aime les lingots. C'est tout ce que j'aime. Mais, ah oui, mais ils sont tous comme ça, et venez donc. C'est parti pour la chasse. Au fantôme. Par contre, le truc que je regrette, c'est que c'est pas très réaliste. Si c'est réaliste. Aïe. En fait, c'est pas le mot réaliste que je voulais te dire, mais c'est sûr. En fait, quand j'ai fait la map sur Minecraft. Ok, quand j'ai fait sur la map sur Minecraft, c'était pas du tout comme ça. Ça, c'est pour ma bande. Aïe. Ça commence trop bien si c'est comme ça. Ok. Toi, tu viens avec moi. Il n'y a pas un dernier là qui veut s'incruster. Ah. Wow. Ben dis donc. C'est beaucoup pour moi tout ça. Ok, Phantom Blood skip, c'est rare, mais. Il a net partout. Toi tu viens, c'est horrible quand il a trop de fantômes. Ok. Ok, ça c'est bon. Je prends la vie parce que, comment dire, j'en ai besoin. Toi tu disparais. Ok. Il est quelque part dans la pièce. Quand même, on est vraiment dans le noir et ça c'est stylé. J'ai loupé le fantôme bleu. Il a dû partir. Oui, il est parti. Ok, on va regarder ce qu'il y a ici. Wow. Plein de billets. On va se prendre en même temps la petite clé que j'ai cramé haut. Ok, donc on a la petite clé. Elle ouvre. Ah, elle ouvre ici. Attends, on va monter. Ouais. Donc, zoom, c'est A. Non, ça, c'est pour quitter. Ah bon, j'ai trop zoomé, bon. Bah nickel. Cette porte est ouverte ou pas? Ah.
Oula, il y a eu un violent coup là. Mais moi j'ai eu peur. Ok. Ok. Ouin ouin, Mario, où es-tu? Ouin. Hein, Luigi? Je vais baisser un peu pour moi parce que comment dire que c'est un peu très fort. Luigi, je suis content que tu m'aies trouvé, je suis rassuré. S'il te plaît, il faut sauver Mario, j'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. T'inquiète pas. Enfin, si un peu. Parce que c'est pas sûr que je retrouve. Attends. Toi, tu peux pas me donner un petit truc de sauvegarde? Un Toad? Ouais. C'est exactement ce que je veux. Donc, regardez, voilà où c'est. Merci, petit Toad. Petit Toad, trop gentil. Ok. qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, pour. J'avais vu sur un Nintendo Direct qu'il y aura un remake de Luigi's Mansion 1 sur 3DS. Ah. Bon, quelqu'un nous appelle. Quand je trouve quelque chose à dire, ça m'empêche. Attends, Luigi. C'est moi, catastrophe. Je détecte une forte activité surnaturelle devant. Ce sont sûrement les fantômes qui se sont échappés de la galerie. Ils sont très différents des fantômes que tu as rencontrés jusqu'à présent. Cela n'expose pas leur cœur aussi facilement. Quand tu en vois un, utilise le bouton X pour trouver l'indice dans son cœur. On va découvrir comment les surprendre. Bon sang, je croise les doigts pour toi, Luigi. Ah bah, moi je me croise autour des doigts. Non, ça fait du bien de jouer un jeu comme ça. Bon, oui, j'aime bien l'horreur, mais c'est pas pour l'horreur, c'est surtout parce que c'est Luigi. Et Mario plus Luigi, c'est pour moi, c'est le meilleur jeu du monde. Ok. C'est tout. La pièce a l'air assez grande quand même. Ok, ça c'est une fausse porte parce que ok. Il y a une histoire de fausse porte et de vraie porte. C'est quoi là? C'est pas RP si vous. Aïe! C'est quoi qui m'attaque ici? Je vais me cacher derrière. Je vais cacher. Ah, c'est là. Non. J'adore être caché. Bon. Je vais pas me cacher trop longtemps. Ah, c'est là. Oh oh oh, vas-y, essaie de me trouver. Je te vois et toi, tu ne me vois pas. Oh oh oh. On va voir des alentours si je peux trouver un truc. J'entends un truc qui pourrait éviter. Ok, quand il bâille, je peux. C'est très simple, ça veut dire que j'ennuie. Bon. Par contre, j'espère que ça va pas me déranger. Ok, on va se cacher derrière. Ok, ils ont quand même 100 points de vie, ce qui est énorme. Je vais pas tenir. Mon joystick est en train de lâcher là. Enfin, il est au bout de mes doigts, surtout. Ah, bon, il a réussi à s'enfuir. Je prends tout ce qu'il y a parce que voilà, c'est bien les faire. Bon, je t'ai dérangé et alors? Moi, je dois m'étirer les doigts. Ok, toi, je te finis. T'aurais pas dû t'enfuir. C'est bon. Donc 4 petites, 3 moyennes et aucune grosse. Plutôt 6 petites. Ok. Nickel, une petite clé. C'est bon, par contre le. Ça au coup. Ah, au bout. Bah c'est pas tout. Eh, hey, pour de vrai, il a plein de portes fake. Il en a au moins 6. Non pas autant, mais il avait plein de portes. Tiens. Tu vois qu'il a de l'argent. Dans son fauteuil, il a forcément de l'argent. Oh. C'est vrai quoi, ça sert de base. Bon,
comment prendre son téléphone en travail, je dis travail, voilà, en pleine vidéo. Ok. Regardons. Par contre, je sais qu'il a un mini boss ici, donc j'espère que ça va pas être trop long, surtout qu'on a fait une petite étape. Surtout, j'ai pas envie de vous arrêter avant, moi, comme ça on a déjà fait peut-être le début. De toute façon, je sais pas si ça compte comme un chapitre ou pas. Intéressant. Ouais. Non, c'est pas ça. À chaque fois, je confonds. Mes cheveux ne sont-ils pas sublimes? Je passe beaucoup de temps à m'en occuper. On s'ennuie ferme dans un tableau. Maintenant, je reste devant le miroir. Ça semble effrayer les gens. Alors, tout va bien. D'accord. Ah ben, tiens. Je vais t'ouvrir la fenêtre. Je vais... Oh, coucou Todd. Mon Dieu, où est l'inspiration? Oh, elle est méchante. Non! Elle est plus forte que moi. Tiens, je vais ouvrir. Ok. J'ai trouvé comment faire montrer son cœur. Ok. Elle bouge beaucoup. Allez. Et elle bouge beaucoup trop à mon goût. Ok. J'ai trouvé un endroit où je peux la bloquer. Oh oh, le premier coup. Et ouais, le premier coup. Bon. J'ai une grosse perle, je suis content. La grosse perle donne tellement d'argent. Ok, donc ça c'est bon. On va prendre la clé. Regarde, on voit le Todd de l'extérieur. Pour de vrai, je pense qu'on a dû la voir. Ouais. On aurait dû la voir, je pense. La porte juste en face. On va nickel, on fait un bon nettoyage pour le moment. Ah. Bon bah c'est ici. C'est pas direct le roi bout. Non. Non, c'est pas possible, on vient de commencer, ça s'appelle épisode 2. Si le truc fait 2 épisodes, bon, content pour vous, mais parce que vous aimez pas trop les grandes séries, mais quand même. Je change le titre, ça sera mini-série. Oh. Un bébé. Oh, et un bébé. Tiens. Donc, je suis sympa, je veux juste voir qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon petit. T'es où? Adada. D'accord. J'ai tout compris. Tiens, tu veux jouer à la balle? Ah, on peut pas. Ah si. Attends, je vais le lancer dessus. C'est la meilleure chose que Nintendo a pu faire. En 2001, lancer une baballe sur un bébé. C'est pas très gentil, mais c'est drôle. Les gens, donc j'ai la Sonic. En fait, c'était tout bête. Regardez-moi ça. Voilà. C'était tout bête. Bon, j'ai pas pensé à ça. Et tu veux jouer avec moi? J'ai pas de... Oh. Aïe! Attends, la balle. Je veux la balle. C'est bon, il en... Il me lance des deux. Laissez passer. Être sensible. Laissez pousser. Tiens, le ballon. Toi, en fait, tu vas... En fait, je me demandais si tu servais à quelque chose, mais ben oui. Moi je peux plus bouger. Aïe, tu m'as fait mal. Ben, tu m'as aussi fait mal. Je voulais juste jouer avec toi. J'aime pas les adultes. Pourquoi est-ce que tu serais plus grand que moi? J'en ai vraiment marre. Petit, maintenant deviens plus petit. Petit, tout petit, minuscule, microscopique. Ouah. What? Euh...
D'accord, c'est comme ça qu'il joue avec ses invités. Bon, ça montre son intention. Ok, je sais pas, on a une balle, on a quoi? À part esquiver. Bon, pour le moment, on va esquiver. J'ai perdu un peu de vie. Ah! D'accord, en plus la rafale est beaucoup plus grosse. Oh, ok. On va faire des feintes. Voilà. Ok. Du premier coup, ce serait trop bien. Bah, ça de... c'est un mini-boss, donc je pense pas que je peux y aller du premier coup. Ok. Il reste 60. Si c'est pile à 50, je comprends. Ok, c'est pas loin de 50. Ah, mais c'est pas très sympa. Oui, mais j'ai compris que t'es pas content, mon petit. Ah. C'est pas très sympa, ça. Ok. Allez. Non, mais c'est bon, je... envoie-moi juste ta balle, s'il te plaît. Ah. 20. Allez. Sur moi. Allez, vise. Bravo, mon petit. Ok. Ok. C'est parti, on fonce. On est bientôt. Luigi tient pas là. Peut-être deuxième coup. Non. Il lui reste très peu. Il reste très peu. On va y arriver. Ok. Ah oui. Ouh, par contre là il est en diagonale ou c'est moi? Non, ça va, il est. Il n'est pas en diagonale, il fait des carrés. On se rend ce qu'il fait. Bon, t'arrêtes d'être fou. Par contre, le truc qui serait compliqué, ouais, c'est la vitesse, c'est bien. Mais c'est qu'il en a deux. Là, ce serait impossible. Ah ben, mon vœu vient de s'exaucer. J'aime les ballons, je vous assure, mais trop, ça fait trop. Ok, on va en finir avec lui. Et c'est fini. Combien de minutes? On est à 24. J'ai pas vu le temps passer. Bon, ouais, les gens, je vais prendre ça. On est la clé. Ok. Ça a duré beaucoup plus de temps. Je pense que j'ai fait en sorte que ça dure 22 minutes. Luigi, tu m'entends? Dieu merci, tu es vivant. J'ai soudainement perdu contact avec toi. J'étais inquiet. Tu me sembles fatigué après cette longue bataille. Tu es une petite mine. Pourquoi ne reviens-tu pas au labo pour te remettre? Quand tu aspires un boss fantôme dans l'Ectoblast 3000... Ah, c'est carrément un petit boss. Je dis mini-boss parce que c'est pas le roi Bou. Enfin, il a le roi Bou, quoi. Je sais pas. On n'a pas vu de Bou, on voit que des fantômes. Je sais pas. Bon, fantôme, ton Ectoblast 3000 est prêt à exploser. Je crois que tu as montré à ce boss qui est le vrai boss ici. Ouais. Bon travail, Luigi. Tu es toujours entier. Ça fait plaisir. Regarde-moi. Ces merveilles. Cette merveille. J'ai mis 20 ans à la construire. C'est un portificateur ectoplasmique. Il permet de transformer les fantômes en tableaux et vice versa. C'est un exemplaire unique au monde. Irremplaçable. Comment fonctionne-t-il? C'est très simple. Il faut juste brancher cette fiche dans cette prise et c'est parti, mon gars. Ok, bon, ben, Luigi fait tout ça parce que ça, c'est bien cinématique. Ouais. Par contre, je pense pas qu'ils aiment ça. Les fantômes sont invisibles. Nous devons les passer pour rendre visibles.
et les transformant en magnifique portrait ectoplasmique. Donc le boss. Monsieur qui lit des livres. Madame trop belle, elle skippe. Merci Luigi. Grâce à toi, j'ai pu retransformer ces fantômes en jolis tableaux. Merci. Vous avez pris zone 1. Neville. Lindia. Olivier. Ah, oh, carrément, pour un enfant, c'est Olivier. Total, 3 fantômes. C'est bien. On a eu 310 000 plus 960 000 plus 100 000. Plus des trucs... ouais, plus 2 millions. Ce qui fait 3 millions pour cette zone A. Je dis zone... Ah, les zones A. Donc, 3 570 000. Ah, je sais pas si c'est euro ou dollar. Non. Donc, on va sauvegarder les gens. On va s'arrêter là pour cet épisode 2 de Luigi's Mansion. On se retrouve pour l'épisode 3. Alors, pour le moment, je suis pas sûr, mais j'ai peut-être décidé un truc avant qu'on se quitte. Que je fasse une vidéo tous les 2 semaines à lundi. Par exemple, imaginez début du mois à lundi. Je fais une vidéo. Le lundi prochain, je ne fais pas. Mais lundi prochain, dans 2 semaines, je reposte encore un épisode de Luigi. Donc le lundi, ça serait pour Luigi, parce que Luigi, lundi, en même temps, je viens d'inventer, mais c'est un peu badass. Où vas-tu, Luigi? Ben, y aller, donc les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde.